Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Matthijs de Ligt qui devrait débarquer au FC Barcelone. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous, mec, on est parti pour parler de l'arrivée de Matthijs de Ligt au Barça. Aujourd'hui à la Juventus, Matthijs de Ligt est souvent annoncé du côté du FC Barcelone pour son avenir. Des précisions ont d'ailleurs été apportées concernant le néerlandais. Lors du mercato hivernal 2022, le FC Barcelone a avant tout concentré ses efforts sur l'attaque pour se renforcer. Et si la priorité va se nommer Erling Haaland cet été, il y a également un besoin urgent de se renforcer en défense pour Xavi. Ce ne sont pas d'ailleurs les pistes qui manquent en Catalogne. César Azpilicueta, Andreas Christensen ou encore José Gaya sont annoncés vers le Barça, tout comme Matthijs de Ligt. Depuis son explosion à l'Ajax Amsterdam, le joueur de la Juventus est apprécié par les Blaugrana et cela est donc toujours le cas. De plus, alors que Juan Laporta, le président du FC Barcelone, entretient une bonne relation avec Minoriola, l'agent de De Ligt, cela pourrait avoir son importance. Alors que l'idée d'un départ de Matthijs de Ligt de la Juventus Turin prend de plus en plus de l'ampleur, Matteo Moreno s'est livré sur ce dossier. Pourrait-on alors voir le néerlandais Matthijs de Ligt au FC Barcelone? À l'occasion du live Twitch, le très célèbre Gérard Moreno, le journaliste de Sky Sport, a assuré « Cela ne va pas être facile pour De Ligt à Barcelone de partir de la Juventus ». Il a admis qu'il aimerait jouer au Barça, mais c'est un sujet très compliqué. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée de Matthijs de Ligt à Barcelone est vraiment une bonne idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste et c'est logiquement, c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous les gars, j'ai envie de vous dans la prochaine et salut.